Your father, bless your name. <clears throat> Voilà, nous lançons le direct euh, plus tôt pour que les gens puissent euh, se connecter. À 21 h nous allons. Je vais entrer dans le vif du sujet. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons-la au maximum. Invitons des amis et des bien-aimés. Si un homme de Dieu que vous connaissez, s'il vous plaît, euh, invitez-le à notre euh, direct à ce moment par rapport à ce que je vais partager avec euh, les bien-aimés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que sa main et sa grâce reposent sur chacun de vous, au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. On se donne un fruit, non? Mm. Partageons la vidéo, je vous en supplie. C'est un spécial direct. <coughs> Partageons la vidéo. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour... La faveur que tu nous accordes encore, merci pour cette occasion. Merci pour l'honneur de parler de ta part. Seigneur, merci parce que tu es bon. Que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié. Je prie que tu m'accordes les mots adéquats et une parole de sagesse. Par le don de la sagesse, la parole de la sagesse et le don de la sagesse. Parole de la connaissance. Père, manifeste ta gloire et ta grâce. Et que tous ceux qui seront connectés ce soir, qu'ils soient bénis, où qu'ils soient. Tous ceux qui vont arrêter leurs occupations pour être connectés ce soir, qu'ils soient bénis au nom souverain de Jésus. Voilà. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Bonsoir à Rose Ngo. Je sais que c'est un grand sacrifice que nous faisons. Moi aussi, de mon côté, c'est un grand sacrifice. Il faut dire, depuis le matin, je suis dehors, je suis rentré tout à l'heure. Et je craignais même d'être en retard par rapport à ce direct. Le Seigneur a permis que je puisse être là, épuisé par le travail, mais j'ai décidé de tenir ma parole et ma promesse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient. Ce que je veux dire est très, très sérieux. Euh, C'est parfois très rare que je fasse les directs les samedis. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, euh, nous allons faire ce direct ce samedi. Donc, partageons la, la vidéo et que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais m'adresser à l'église de Dieu au Congo, l'église de Dieu en Afrique, mais surtout euh, pas au Congo, et, euh, au Gabon. L'église de Dieu au Gabon par rapport euh, à la préparation, l'invitation que certains de mes fils du Gabon m'ont donnée pour pouvoir arriver là-bas et tout le désordre qu'il y a eu autour de cela, les problèmes que cela a causé euh, à ce niveau-là. Je vais revenir là-dessus et chacun de nous tirera le son. Et voilà. L'église de Jésus-Christ a des problèmes sérieux. Nous sommes malades, je vous assure. Donc voilà, bien-aimés, avant, pendant que nos bien-aimés sont en train de se connecter, je vais que nous sommes au mois d'avril. Bienvenue dans le mois d'avril, le mois de l'onction suprême. Le mois de l'onction suprême, sous le thème. Le mois a été baptisé, le mois de l'onction suprême. Et le thème de ce mois, c'est activer la divinité. Comment activer Activer la divinité en soi. Donc, c'est un mois d'opportunité. Je voudrais dire à l'Église, la Rema Facebook Church, euh, de ne pas s'amuser. Tous les cultes, rass... soyons connectés en permanence. Je vous assure, je parle par l'Esprit de Jésus-Christ. Tout au long de ce mois d'avril, le mois de l'onction suprême, il y a beaucoup de gens qui disent, oh papa, on a besoin de l'onction. Je veux l'onction dans ma vie. Je veux l'onction euh, ministérielle. Je veux l'onction dans mon mariage parce que chaque domaine, chaque diapason de nos vies a besoin d'onction. Dans ce mois, nous allons parler de la divinité. Et, et c'est quoi l'onction Comment recevoir l'onction Il y aura des impartitions dans la vie de plusieurs personnes. Donc par la grâce du Seigneur Jésus, je voudrais t'exhorter. Ne t'amuse pas avec mes sorties pendant ce mois. Parce que Dieu fera de moi le moindre que je suis, un instrument de grâce et de bénédiction pour toi, ta maison, ta famille, pour les zones et les domaines ruinés de ta vie. Partout où le diable a apporté le désastre dans ta vie, le Seigneur apportera la restauration. Dans c'est le mois de grandes opportunités spirituelles et dans toutes les strates isotopiques de ta vie. Donc ne t'amuse pas avec le mois d'avril. Bienvenue dans le mois d'avril, le mois de l'onction suprême. Dans ce culte, ce dimanche, euh, c'est 2 avril je pense, à partir de 7h30, à la bise, soyez connectés. Bien aimé, Dieu te parlera. Je vais enseigner sur les quatre dimensions de l'onction. C'est quoi l'onction Les quatre dimensions de l'onction, parce que l'onction a quatre dimensions, pas plus. Ni moins ni plus. Les quatre dimensions de l'onction, on entrera dans les secrets de la parole de Dieu. Ouais, dans les secrets des igourates de la révélation, de la parole de Jésus-Christ. Donc, si tu es intéressé par l'onction, tu as besoin d'onction dans ta vie, sois connecté, euh, toi qui es à, à distance. Et il faudrait comprendre que l'onction, chaque domaine de ta vie a besoin de l'onction. Quand vous voyez une personne manifester la grâce, manifester le succès, manifester euh, la réussite, dans quelque domaine de sa vie que ce soit, cette personne est en train de manifester l'onction. Elle fonctionne sous l'onction. Donc, il y a une onction spirituelle. Il y a une notion pour les finances. Il y a une onction pour le ministère. Il y a une onction pour le mariage. Il y a une onction dans les affaires. Il y a une onction, euh, même pour préparer. <laughs> il y a une onction. Donc, chaque domaine de ta vie peut manifester l'onction. Et, et ces secrets, ces grands secrets, dans la Bible, te seront révélés. Tu as besoin d'onction. Beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas ce que c'est que l'onction. Beaucoup ne savent même pas les quatre dimensions de l'onction. Beaucoup ne peuvent pas définir clairement ce que c'est que l'onction. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent complètement les mystères rattachés à l'onction. Donc, il faut dire à tout le monde que le mois d'avril, c'est un mois d'opportunité divine d'opportunité où tu dois rattraper le retard de ta vie. Et je veux parler à l'église du Cameroun. Je serai à Tchang. Euh, je pense que demain pendant le culte, j'annoncerai les dates. La semaine prochaine, je serai à Tchon. Parce que je suis en train de travailler euh, cette semaine-ci euh, sur euh, mon dossier de demande de visa pour la France. Et c'est déjà euh, euh, retenu que nous aurons une grande nuit de prière en France à Paris. Vendredi le 25 août 2023. Vendredi 25 août. 2023, j'aurai une grande nuit de prière à Paris, dont le lieu vous sera donné par la grâce de Dieu dans les jours qui viennent. Le lieu vous sera donné. Nous sommes en train de travailler pour avoir le lieu. Et je bénis Dieu pour mon frère, l'homme de Dieu, Makanzo JP Makanzo, qui était ici dernièrement au Cameroun et qui a béni notre nation. Voilà, désolé. C'est mauvais. Hein? À chaque fois qu'on a des directs dangereux comme ceux-ci, là le diable va tout faire pour essayer de, de déranger. Donc, je disais merci comme ça au frère, à l'homme de Dieu, l'évangéliste JP Makanzo, qui était ici à, au Cameroun. Et j'étais à son programme, je suis allé le soutenir. Et voilà, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, beaucoup de courage. La mission n'est pas facile. Beaucoup de courage. <laughs> On n'arrivera pas à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, je disais que le mois d'avril, c'est le mois des opportunités. Toi qui me suis au Cameroun, je t'en supplie, ne t'amuse pas. Ce dimanche, 2 avril, c'est le premier culte du mois d'avril. Tu viens prendre possession de ton mois d'avril. Donc, ne reste pas à la maison. Je vous dis la vérité. Si ce dimanche, tu restes à la maison, tu n'aimes pas ta vie. Tu ne comprends pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire pour toi. C'est-à-dire que toi-même, tu auras refusé. Tu seras comme quelqu'un à qui Dieu réserve un grand cadeau. Mais la personne dit non, je ne parle pas, je suis fatigué ou oh, j'ai telle ou telle occupation. Ce matin, tu ne dois pas manquer. Je veux quelqu'un qui dise que je ne manquerai pas le culte, le premier culte de ce mois d'avril. Je ne le manquerai pas. Viens prendre l'onction. Toi qui demandes l'onction, il y aura des impartitions d'onction ce matin, ce dimanche, 23, ce dimanche 2 avril, ici à Yaoundé, à la bière, à Douala, ce sera à partir de 16 heures en soirée. Donc, s'il te plaît, viens recevoir l'onction. Tu as besoin de cette tension. Tout domaine de ta vie où tu sens que tu es en train de l'ambiner et de lésiner, s'il te plaît, ne manque pas à ce culte. Et ceux qui sont en direct, connectez-vous parce que la distance n'est pas une barrière dans le règne spirituel et la barrière n'est pas une distance. Donc, sois connecté et ne permets à personne de te distraire. Donc, je confirme ma présence à Paris le vendredi 25 août de 21h à l'aube. 21 à l'aube, j'ai choisi la nuit de prière. Ce sera la nuit des prophètes et de la prophétie. C'est ça le thème de cette nuit de prière. La nuit des prophètes et des prophéties. Ça sera une nuit extraordinaire. Elle sera très forte. Alors je vous dirai comment les choses se passeront dans mes prochains directs. Voilà que Dieu bénisse. La salle vous sera communiquée à partir de maintenant. Retenez déjà que vendredi le 25 août, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je serai à Paris. Et les habitants de Côte d'Ivoire. Je suis en train de tout faire pour que le mois-ci ne finisse pas, ou tout au plus au début du mois prochain, que je sois en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler. Euh, je pense que j'ai une bien-aimée là-bas, une servante de Dieu qui a pris à cœur de se battre pour trouver la salle pour nous. Et il y a aussi de, un groupe d'hommes de Dieu qui s'est rattaché à elle, et je bénis Dieu pour cet amour. Que Dieu vous bénisse et qui vous accorde les désirs de vos cœurs au nom souverain de Jésus de Nazareth. Voilà, on ne s'est jamais vu, mais elles ont pris à cœur. Elle a pris à cœur. Elle a dit, prophète, je ferai tout pour vous trouver la salle. Mes propres enfants n'ont pas pu me trouver une salle. C'est pour ça que je n'ai pas annoncé de date de programme en Côte d'Ivoire. La connexion est en train de déconner, je vous assure. Donc, bien aimé, je serai en Côte d'Ivoire. Dès que j'ai la salle, je vous annonce la date où je serai en Côte d'Ivoire. C'est la même chose pour le Congo. Donc, si vous êtes au Congo, pouvez nous aider à avoir une salle, s'il vous plaît. Euh, Dites-le en commentaire. Hein. Dites-le en commentaire, tout simplement. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Donc, il y a le Congo, il y a la Côte d'Ivoire que je dois visiter. On a des problèmes de salles. On doit avoir les, les salles là-bas. La même chose pour la France. La France est déjà calée. Dimanche, euh, vendredi, le 25, 25 août, de 21 à 5 heures du matin, on aura un grand service, une grande nuit de flammes. Et le samedi en soirée, j'aurai la rencontre avec les partenaires avec les partenaires. Donc, tous ceux qui veulent être une bénédiction financière pour notre ministère à Paris, là-bas en France, et dans toutes les autres nations, à Belgique, l'Allemagne, euh, la Suisse, partout le Canada, tous ceux qui veulent venir me rencontrer sur place, on se trouvera là-bas. Donc, on aura une conférence avec les partenaires, et j'aurai aussi une séance de réception. Voilà, je recevrai ceux qui veulent me rencontrer. C'est pour ces trois choses que je vais. La une de prière pour délivrer. Délivrance prophétique. Avec des grandes révélations prophétiques, préparez-vous à voir des choses que vos yeux n'ont pas encore vues. Et la deuxième chose, c'est la conférence des partenaires. Toi qui veux soutenir ce ministère, tu veux être une bénédiction pour notre ministère, tu auras cette occasion, j'aurai une soirée spéciale avec tous les partenaires. Troisième chose, ceux qui veulent me rencontrer personnellement, vous aurez le temps d'avoir une face à face avec moi, une consultation prophétique en direct. Voilà. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ. Amen. la connexion. Je vais aller droit maintenant au but. Alors, euh, j'ai un groupe de, de fils et de filles euh, au, au, au Gabon qui ont décidé de m'inviter. Ils sont venus me rencontrer au Cameroun. Ils m'ont dit, papa, nous voudrons vous inviter au Gabon. Et je ne peux pas refuser une invitation quand c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et je leur ai dit, OK, j'accepte votre invitation du côté du Gabon. Vous allez organiser le programme quand ils m'ont demandé des documents que j'ai envoyés. J'ai envoyé ces documents-là. Et puis, ils se sont battus, ils se sont battus, ils se sont battus pour pouvoir permettre à ce que cette rencontre au Gabon puisse avoir lieu. Mais cependant, ils m'ont annoncé une nouvelle qui m'a estomaqué. Elle m'a estomaqué. Il y a beaucoup d'enfants au Gabon, beaucoup de bien-aimés au Gabon qui souhaiteraient que j'arrive là-bas. Mais avant de continuer, je voudrais vous lire, lire un passage de la Bible avant de continuer. Avant de donner mon message à l'Église du Gabon et l'Église en Afrique en général, il y a tous les chrétiens. C'est un appel, un cri de cœur à tous les enfants de Dieu, à tous les enfants de Dieu. Oui, il y a des connexions. Ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Ça, c'est le diable qui combat ça parce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer là est dangereux ce soir. Vous savez. Donc, nous connaissons déjà ces méthodes. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Il dit, Puis on lui amena un daimonisomenos. Daimonisomenos, en grec, signifie quelqu'un possédé par les démons et de qui les démons ont fait leur habitation. Donc, quand on dit quelqu'un possédé, là, en grec, c'est daimonisomenos. Ça veut dire quelqu'un qui est devenu l'habitation des démons. La maison des démons. Un peu comme quand tu construis ta maison, tu habites à l'intérieur. Ça veut dire que cette personne est devenue l'habitation des démons. Et la Bible continue en disant Touflos, kai kophos. Ça veut dire aveugle et muet. Kai etera, auton Et il le guérit. Hosteton, kofon la leine, En sorte que le muet parlait. Kai blepein et voyait. Donc ça c'est Jésus hein, on lui a amené quelqu'un qui était possédé par un démon, était aveugle et il était muet. La Bible dit Kai existanto pantes oi ocloi. Et les foules étaient dans l'admiration. Kai elegon et elle disait: Meti estin ho David n'est-il pas N'est-il pas, celui-ci n'est-il pas, le fils de David Et les pharisiens ayant entendu cela, dirent cet homme chasse les démons par Belzebu, le roi ou le seigneur des démons. Arcontis et archaïs ou Arcaïa, c'est-à-dire le, l'ancien, le, 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 le plus vieux, le plus puissant, le, le roi, le seigneur des démons. Celui-ci chasse les démons par le seigneur des démons. Eidos detas entumesseis auton, connaissant leurs pensées, il leur dit: Passa basilegia meristeisa kat, iaoutes, era mou et ayant sur leurs pensées il leur dit tout royaume divisé contre lui-même sera mené à la désolation kai passa police he oikia et toute ville ou maison meristeisa quatre et aoutes divisé contre elle-même où taille ne tiendra point debout et Jésus continue en disant ei au satanas ton satanan Si donc Satan chasse Satan, il est donc divisé contre lui-même. Comment est-ce que son royaume tiendrait-il debout ou résisterait-il Et si moi, c'est pas Belzebu que j'expulse les démons. Oui, 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 humon, entini tini égbalusin est vos fils à vous, par qui chassent ils les démons? Dia tutto, c'est aussi pour cela. Autoi kritai et sontaï humon, à cause de cela, eux-mêmes seront vos juges. Aidé en teu ego égbalo ta Si donc c'est pas l'esprit de Dieu que je chasse des démons, ou okay, que j'expulse, parce que ek Ekbalusin ek, ek veut dire expulser avec violence. Et d'ici, si c'est donc par l'esprit de Dieu, Ekbalota Daimonia, que j'expulse les démons. Ara Eftasen, ef humas, hebasileia Alors, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà, bien aimé. J'ai voulu partager ce passage de la Bible avec vous parce que c'est un passage que tout le monde connaît dans tous les cas, mais il est important pour moi d'y revenir. La Bible parle d'une séquence où on apporte un démoniaque possédé à Jésus-Christ et puis Jésus va le délivrer. Par là, c'est la délivrance il chasse le démon. Et les maladies partent ce qui montre que les démons étaient à l'origine de cette maladie. Cet homme n'était pas maladie, malade d'une maladie normale. Et vous devez savoir que la plupart des cas de souffrances des hommes sont causés par les démons. Oui, il y a des maladies. Quand une maladie est posée ou causée par un démon, il faut chasser le démon pour que la maladie soit guérie. L'hôpital ne peut pas guérir une telle maladie. L'hôpital, parfois, ne peut même pas voir cette maladie. Donc cet homme était muet et il était aveugle. Mais Jésus Christ a discerné qu'il avait besoin de délivrance. C'est ce qu'on appelle le ministère de délivrance qui fait partir de, de, des signes qui font l'authenticité des croyants. Et dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ta daimonia egbalusin. Ils expulseront les démons. Il dit, ils imposeront les mains aux malins. Les seront guéris, parleront de nouvelle langue. Et il dit, ils expulseront les démons. C'est un ministère dans l'église. Le ministère de la délivrance. Donc, ici, ce n'est pas une guérison, mais c'est une délivrance que Jésus-Christ fait à cet homme, et l'homme est guéri. Lorsque les pharisiens, qui étaient les dépositaires de la loi de Moïse, ont vu cela, sachant que eux, en tant que pharisiens, parce qu'il faut dire que les composants de, de, du sangrin, c'étaient les sadducéens et les Pharisiens. Et il n'y avait pas de délivrance chez eux. D'ailleurs, même que les Sadducéens ne croyaient même pas à la résurrection des morts. Mais ce sont ces gens-là qui dirigeaient l'église, et les pharisiens ne croyaient pas au miracle, il y a la délivrance. Donc Jésus vient et il y a quelqu'un qui est malade, il est soumis, il est possédé par un démon. Ils sont incapables de chasser le démon et Jésus apporte des opérations de l'esprit qu'ils ne connaissent pas. Et quand ils voient cela, c'est bizarre pour eux, c'est étrange, c'est nouveau. Ils ne le font pas. Mais Jésus, lui, il le fait, il vient avec cette dimension. Parce que la Bible dira dans Jean chapitre 1, verset 17, Il dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Donc sous la loi, ils n'ont pas vu ces choses. Ils n'avaient pas cette alliance avec Dieu. Ils n'ont pas été appelés à cela. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Il a apporte la grâce, la délivrance et la vérité. Il remettait chacun dans sa véritable destinée. Cet homme a été béni. Il a été guéri. Mais les pharisiens vont mal prendre cela. Parce qu'ils sont, ils sont des, des, des fondamentalistes, des traditionalistes. C'est-à-dire, ils tiennent à la tradition. Ils tiennent, euh, comment dire cela, au fondement basique de la loi mosaïque. Mais ils ne comprennent pas que les dispensations ont changé. Vous voyez, c'est dangereux lorsque le christianisme devient du fanatisme. Lorsque vous êtes sur place et, et vous, vous n'avancez pas. Avec les révélations dispensationnelles ou les révélations des dispensations, Jésus a dit Donne-nous notre aujourd'hui notre peine de ce jour. Ouais. Il dit To Arton Semeron, To Arton Semeron. Semeron veut dire maintenant, immédiatement ou bien aujourd'hui en grec. Donc donne-nous notre peine d'aujourd'hui. Si on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un hier et il y aura un demain. Donc Jésus nous enseigne simplement les changements de dispensation. Donne-nous le pain d'aujourd'hui à chaque génération un pain et ce pain représente la dispensation la révélation de Dieu pour cette dispensation. Mais on parlera de ces choses. Dans l'Église, on a des conservateurs. Il y a un clan de conservateurs, c'est des traditionalistes, c'est des conservateurs. Ils cale sur le pain d'aujourd'hui éternellement et au siècle des siècle. Même demain ils mangent le pain d'aujourd'hui. Dans cent ans, ils mangeront toujours le pain d'aujourd'hui, en sorte que leur pain est raci. Il est rocailleux, il est en cailloutis, il casse les dents. Pourquoi Parce qu'ils ne comprennent pas que la révélation est dynamique. Elle n'est pas étatique ni statique, mais elle est dynamique. Donc, s'il y a le pain d'aujourd'hui, il y aura un pain demain. La génération de demain ne mange pas le pain d'aujourd'hui. Demain, vraiment, Ma connexion est vraiment nulle ici. Donc, bien aimé, il faut que les gens comprennent cela. Dieu est dynamique. La révélation, elle est aussi dynamique. Lorsque Dieu va apparaître à Moïse, il lui dira Je m'appelle l'Éternel, vos pères ne m'ont pas connu sous ce nom. C'est-à-dire que si on réveille Abraham, Isaac et Jacob, et Moïse se place, il dit Je sers l'Éternel, je sais, je suis. Ils vont lui dire que je suis, c'est qui? Ils n'ont pas connu Dieu sous ce nom. Dieu dit, vos pères ne m'ont pas connu sous ce nom. Ce n'était pas la révélation de leur époque, c'est votre peine, à vous aujourd'hui. C'est dangereux lorsque l'église ne comprend pas les mouvements des saisons. Lorsque l'Église ne comprend pas, lorsque vous avez des hommes de Dieu qui spirituellement sont morts, ils sont figés dans le temps. Ils sont devenus des statues de sel dans le temps. Ils ne comprennent pas les changements des dispensations. Ils ne comprennent pas le, le, le fonctionnement. La connexion, c'est vraiment terrible aujourd'hui. Donc, bien aimé, je reçois l'invitation pour aller au Gabon. J'accepte l'invitation. Et le Gabon, c'est un pays où. Euh, la religion, les religions sont très bien organisées. C'est-à-dire pour entrer au Gabon, il faudrait avoir, il faut, il faut être invité par une euh, confédération, je ne sais pas confédération. Donc il faut à être disposé, il faut être invité, par... recevoir une invitation d'une confédération pour entrer au Gabon. En tant que pasteur, bien sûr. Donc mon fils va me rencontrer, il va aller voir une confédération et ils vont demander, euh, on va poser certaines conditions. Et je veux parler, même avec le président de la Confédération. Euh, et puis il va me dire il est très content, il me suit euh, sur Facebook, vraiment c'est extraordinaire. Ce que Dieu fait à travers moi, et il souhaiterait vraiment, euh, ils sont dans la joie de me recevoir. Et on a parlé, comme des hommes de Dieu, on a ri même au téléphone, et c'était trop bien. Et j'ai aimé, j'ai aimé ça, c'était quelque chose d'agréable. Dans tous les cas, c'est mon souhait toujours. Pour moi, l'unité du corps de Christ est primordiale. <laughs> l'unité de l'Église est primordiale. L'apôtre Paul a dit que chacun de nous fasse attention, prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement que Christ a laissé. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour son œuvre. Et donc on va parler, et c'est bien. Et donc je suis rassuré que les papiers vont aller bon train, et puis le temps viendra, et puis je serai au Gabon. Pensez au mois d'avril, quelque chose comme ça. Non, c'est pas avril. Euh, c'est après le, le culte de... Culte national si juin, j'y ai. J'y ai, ai comme ça. J'y ai parlant. C'est avant la France. Donc, mon fils va m'appeler plus tard parce qu'il me cache d'abord l'information. Il m'appelle plus tard et il m'explique au téléphone que vraiment la Confédération qui allait m'accueillir, qui m'avait donné sa parole, sa parole d'honneur, a dit qu'elle ne peut plus me recevoir. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus me recevoir, ne peuvent plus me donner leur soutien. Euh, je ne peux plus entrer au Gabon par eux. Pourquoi Pourquoi S'il vous plaît, mettons les cœurs. Envoyez-moi les pouces bleus, les cœurs, je vous en prie. C'est important pour que la plateforme soit, et Facebook soit, et recommande la plateforme. Donc, il me dit que la confédération, le président de la confédération et beaucoup d'autres pasteurs ont dit non, ils ne peuvent plus me recevoir au Gabon. Ils ne peuvent plus accepter. Pourquoi Parce que j'ai parlé en faveur du prophète. Zoma, Emmanuel Zoma, qui est leur fils et frère. Ce n'est pas un camerounais, c'est un gabonais. Ils ont dit non, parce que le prophète Gan Ferdinand a pris parti officiellement et publiquement pour le prophète Emmanuel Zoma. Alors, nous ne pouvons plus l'accueillir, on ne peut plus s'associer à lui, parce qu'il ne devrait pas s'associer au prophète Emmanuel Zoma. Je demandais à mon fils, c'est que tu dis là, c'est sérieux ça Il m'a dit oui. Ils ont refusé. Ils ont dit non, ils peuvent plus. Parce que en public, vous avez pris parti. Vous avez pris une position. Je me souviens au début lorsque mes fils venaient du Gabon, quand les gens, mes enfants venaient du côté euh, du Gabon, me rencontraient sur Cameroun. Ils me disaient, je demandais à l'époque, c'était encore au début hein, de, du problème du, du prophète Manel Zoma. Ah non je lui ai demandé comment ça se passe avec le jeune prophète au Gabon là-bas. Il me donne les informations. Il me dit non, papa, vous savez, vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas recommandable parce qu'il me donnait les raisons, il me donnait leurs raisons et tout. Je, je leur ai dit ceci. Vous avez un fils, vous avez un prophète au Gabon. Ne tuez pas vos prophètes. Dieu a dit de Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une mère poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez point voulu. Alors voici, il viendra un temps où on ne trouvera plus pierre sur pierre dans cette ville. Et ce, comprenez. Donc, ils ont dit, on ne le reçoit plus parce que j'ai prié pour le prophète Emmanuel Zoma. Parce que j'ai encouragé le prophète Emmanuel Zoma. Bien aimé. Dans le passage qu'on a lu ici, c'est de Jésus qu'il s'agit. Les pharisiens disent que Jésus-Christ chasse les démons par Belzébut, le roi des démons, le seigneur des démons. Il s'agit de Jésus-Christ lui-même, le fondateur de l'église, celui qui a dit Laissez-moi vous dire une chose Jésus-Christ a été combattu. Il a été combattu pour deux choses. Il a été combattu pour le prophétique. Hein? Pour le ministère prophétique. il a été aussi combattu pour le ministère de la, 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 la délivrance. Tous les hommes de Dieu qui font, qui suivent les pas de Jésus dans la délivrance, seront combattus. Oui, ils, seront, ils sont combattus. Donc c'est normal, c'est des ministères combattus. Même sous Jésus. Le ministère prophétique, les prophètes sont combattus aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y a des hommes de Dieu dans une, une nation, moi je vais. Parce que j'ai encouragé un homme de Dieu qui est en difficulté, un frère qui est en difficulté. Les hommes de Dieu désistent. Ils disent qu'ils ne peuvent plus recevoir le prophète Al-Fadil. En non, on s'associera plus, plus à lui, on apportera plus de soutien à son programme au Gabon. Mes amis, je ne viens pas au Gabon pour m'immiscer dans vos affaires d'hommes de Dieu ni dans la politique gabonaise. Non, je viens de la part de l'Éternel pour adresser la parole de l'Éternel à la nation et apporter ma petite contribution. Il y a des grands hommes de Dieu au Gabon, en réalité. Je ne peux pas entrer dans les guerres des hommes de Dieu au Gabon. Je peux entrer dans les guerres des Gabonais. Nous prions pour le Gabon. Nous aimons le Gabon. On défend le Gabon. Mais les gens doivent savoir une chose. Mon, je ne suis pas un homme de Dieu qui appartient au clan. Le clanisme spirituel ou ministériel, je ne crois pas en ça. Je n'appartiens à aucun groupe d'hommes de Dieu. Je n'appartiens à aucun clan. Les hommes de Dieu ont tout fait. Pour me tirer à gauche ou à droite. Ils se sont rendus compte que non. Nous nous sommes des Tijbites. Nous portons l'onçue à l'alliance de Tijbet. Il faut comprendre cela. L'unité du corps de Christ est primordiale. Les guerres intestines, là, je ne suis pas dedans. Non, je ne suis pas dedans. C'est une honte, mes amis. Vous allez dire que non, le prophète Gané Ferdinand, il a soutenu le frère. Vous voulez qu'il fasse comment Il y a un bien-aimé qui est en difficulté. C'est un homme de Dieu. Vous, vous, vous le condamnez sur quelle base Prenons même le cas, tout simplement. De, de, du gouvernement gabonais qui l'a arrêté. Parce que c'est un gouvernement qui, qui, qui aimerait que les choses soient bien faites. C'est un gouvernement euh, qui est très, très discipliné et qui veut que l'Église suive certaines disciplines. On a arrêté le prophète Manesoma, On l'a amené en prison. Il a fait un certain temps. Et l'Éternel m'avait dit qu'il sera libéré. Quand je dis ça, il y a des gens qui ont dit, ah non, les faux prophètes, il annonce ça, c'est faux, il va faire 10 ans en prison et tout cela. Je n'ai rien dit. Je ne discute avec personne. On n'est pas là pour ça. On ne justifie pas le prophétique. Non, mes amis. Donc, un bien-aimé en, en difficulté, comme la porte Pierre était en prison. Qu'est-ce que l'église a fait chez Marie, la maîtresse de Rhodes, la mère de Jacques, le compagnon de De Paul Qu'est-ce que l'église a fait L'église a dit, ok, laissez le moisiller en prison, là-bas, qui meurt même en prison. L'église a prié pour lui. L'église a prié, l'église a prié pour lui et Dieu est intervenu en sa faveur. Quelle est cette église aujourd'hui où les hommes de Dieu sont en problème, en difficulté, on veut les tuer C'est même les pasteurs, même à Berthois, prenons au, Camer au Cameroun ici, on a une église à Berthois qui est, qui est persécutée sérieusement. Mon fils, il y a eu une rencontre, de, 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 de rencontre de, des hommes de Dieu qui ont été convoqués par le commissaire de la localité de, de notre église à Bertois, Bertois Mokolo, ancien SCT, pour ceux qui sont à Bertois. Le commissaire leur a dit que ce sont les hommes de Dieu même qui viennent accuser qu'on d'autres églises. Et il parlait de notre église. Ce sont des frères, des hommes de Dieu, avec qui on n'a aucun problème, qui vont voir les autorités pour demander qu'on ferme quelle église qui est là-bas fermée là. Pourquoi Parce que Dieu nous a donné de dépeupler l'enfer. Et de peupler le royaume des cieux. On demande le pasteur là, t'as fait qu'on dira non. Mais on pose la question. Moi, j'ai parlé du prophète Zoma. C'est dans une vision que Dieu me parle de lui. Et Dieu me dit ok, prie pour lui. Quand tu arrives à l'église, avant de prêcher, prie pour lui. Nous marchons par l'esprit et non par la chair, mes amis. Si le Seigneur Jésus me dit de prier pour un de ses serviteurs, qui suis-je pour ne pas prier pour lui Je ne défends pas un homme. Je défends la justice de Dieu et de Christ. Je défends la justice de mon sauveur et l'unité du corps de Christ. Je crois en l'unité du corps de Christ. Donc, voilà le gouvernement gabonais qui arrête quelqu'un. On l'accuse. On l'amène. Il passe en justice. On juge son cas. Le gouvernement gabonais se rend compte qu'en fait, cet homme de Dieu, il y a peut-être eu des choses à, à lui reprocher, mais ce n'est pas un hors-la-loi, oh, ce n'est pas un instigateur de désordre dans la nation, ce n'est pas un ennemi d'État, nous allons donc le libérer. On le libère. C'est-à-dire la justice humaine décide de le libérer, le le remettre en liberté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça c'est même des hommes, c'est-à-dire que c'est des magistrats, c'est n'est pas des pasteurs, c'est pas des hommes de Dieu. Ils ont jugé un homme de Dieu et ils l'ont libéré. Quand la justice arrête quelqu'un et libère la personne, ça veut dire que la justice n'a pas trouvé en la personne une menace pour l'État. Il n'est pas une menace pour la stabilité de l'État. C'est ça qu'on le remet. Si c'était un brigand, un bandit, un meurtrier, la justice ne l'aurait pas libéré. Mais la justice humaine l'a libéré. Mais la justice des hommes de Dieu au Gabon ne le libère pas. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on en finisse. On comprend que le problème des hommes de Dieu, ce n'est pas une histoire. Que Emmanuel Zoma, c'est un faux prophète. Excusez-moi de le dire. Ce n'est pas ça. Vous avez d'autres motivations. Je n'entre pas dans ces histoires. Dieu m'a gardé de la jalousie. Dieu m'a gardé de la jalousie. Je ne peux pas combattre quelqu'un parce qu'il fait mieux que moi. Ou parce qu'il vient très fort. Non, mes amis. Je ne peux pas m'immiscer dans les guerres des Gabonais. Non. Je ne peux pas m'immiscer dans la guerre des hommes de Dieu au Gabon. Ni dans un autre pays. Si je ne le fais pas dans mon pays, ce n'est pas dans d'autres pays que je le ferai. Non, mes amis. C'est une honte pour nous. C'est une grave honte pour l'Église. Et ces choses-là se multiplient. Des hommes de Dieu qui souffrent innocemment. Innocemment. Il y a des gens qui, sont, qui parlent partout que moi je suis un sorcier. Que j'ai l'onction là. Je vais dans les cimetières. Les gens racontent des choses comme ça. Mon ami, tu es chez toi. Tu ne sors jamais de ta maison. Mais les gens prennent ton nom. On dit tu es sorcier. Il y a des gens qui sont convaincus que pour faire quand même c'est un sorcier. Vous voulez qu'on fasse comment Ça n'a pas commencé par nous. C'est l'onction que le jardin de notre ministère attire. Cette onction-là, ce combat-là, ces combat, il y a des ministères qui attirent les combats d'accusation. Le ministère prophétique, comme avait Jésus. Le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance, cest dit le miraculeux, attire aussi l'onction de diffamation, de médisance, de calomnie, et tout ça, la mauvaise réputation. C'est ça dit, ce sont les retombées, c'est les effets secondaires de ces ministères-là personne qui fait dans la délivrance sera attaqué comme démoniaque. Même Jésus, on dit que c'est pas Satan qui chale les démons. Et Jésus leur dit que mais, si donc je chale les démons par Satan, Satan est divisé contre lui-même et donc sa maison ne peut pas subsister. Pour dire quoi Satan ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Satan ne fait pas du bien à l'église. Satan est là pour égorger, pour voler, pour tuer. Ça, c'est son rôle. Mais pourquoi les hommes de Dieu sont devenus si, si mauvais, si méchants Pourquoi, mes amis était si méchant. Hein? Pourquoi? Il faut que les gens comprennent. Je ne peux pas prendre position contre un homme de Dieu. cest à ce qui s'est passé avec le prophète Joël Francis Tatou, qui allait venir au Cameroun. Pourquoi? Parce que je, je suppose que l'Église appartient à Christ. Et que si on est un bon homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, on doit s'associer au bien-aimé. Chacun de nous a ses combats. Mais je dis qu'il y a des ministères qui attirent la diffamation et la calomnie, les ministères prophétiques. Le ministère de la délivrance, comme dans le cas ci Jésus était combattu parce qu'il avait un ministère de délivrance puissant et un ministère prophétique puissant. Il prophétisait, déclarait les paroles prophétiques. On ne les met pas pour cela. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tous les prophètes sont combattus et tous ceux qui font dans le ministère de la délivrance sont combattus. C'est ça la réalité. Mais les docteurs de la parole ne sont pas combattus. Hein? Les pasteurs ne sont pas combattus. Les évangélistes ne sont pas combattus. Pourquoi Parce que, en fait, c'est l'héritage. Du ministère là, de ces ministères là, prophétique et délivrance, ça dit guérison miraculeuse tout ça. Donc bien aimé, je suis vraiment choqué, je suis dépassé, je ne comprends pas comment les hommes de Dieu peuvent faire cela. Maintenant, il faut que vous compreniez une chose. Dire qu'un homme de Dieu est faux, c'est trop facile. Vous inventez les choses contre les hommes de Dieu. Mes amis, la Bible dit Tu ne porteras point le faux témoignage contre ton prochain. Ça dit quoi c'est-à-dire que si tu dis que quelqu'un est un sorcier, qu'il a enterré quelqu'un, ou il tue les gens, il dort dans les cimetières, et que cette personne ne dort pas dans les cimetières, comme tu as dit, mon ami, tu es sous une malédiction, tu es dans les problèmes avec Dieu, parce que tu as, tu as été, été coupable d'un péché de diffamation, tu as porté un faux témoignage, tu as dit une chose que la personne ne connaît pas. Et c'est pourquoi les gens ne craignent pas ça. Maintenant, dis que homme de Dieu est faux. Comme je le disais dans mon inquiétude, c'est trop facile, mes amis. C'est trop facile. Non. Comment est-ce qu'on connaît un faux homme de Dieu À partir de quel moment où on peut dire qu'un homme de Dieu est faux La première caractéristique, c'est son enseignement. C'est ça d'abord. C'est conviction doctrinale. Si quelqu'un déclare que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il y a un problème. Si quelqu'un enseigne qu'il n'y a pas de vie éternelle après la mort, il y a un problème. Quelqu'un ne croit pas en la Trinité, il y a un problème. En ce moment-là, on peut se baser sur cela, pour dire que cette personne-ci-là, c'est un faux homme de Dieu. Parce que la personne, sa doctrine combat la doctrine fondamentale chrétienne. Quelqu'un qui ne croit pas en la mort de Jésus-Christ et la croix, c'est un faux prophète. En ce moment-là, bas son enseignement, on saura. La deuxième chose, c'est la vie que la personne mène. Le genre de vie que la personne mène. Si la personne pratique la sorcellerie et que c'est avéré, qu'on a pas les preuves. Ce n'est pas des choses qu'on dit que non, il a trempé, il a trempé. Va monter le marigot où la personne a trempé. Il n'y a même pas de marigots dans la ville. Ça pose un vrai problème. Donc, la vie, on a des preuves que la personne ne craint pas Dieu. La personne est débauchée. La personne pratique la magie. La personne mène une vie de débauche. C'est-à-dire une vie mondaine. Elle n'est pas convertie. La parole de Dieu ne l'a pas convertie comme il est écrit. « kahine idu kahine » Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, bah, si toutes choses sont devenues nouvelles. C'est fruit... Ne sont pas des fruits dignes de la repentance. on dit c'est un faux prophète. Quelqu'un qui promeut le péché dans son église, à travers son enseignement, qui n'enseigne pas la sanctification, la consécration à Dieu, celui-là c'est un faux prophète. Mais si quelqu'un enseigne, il a un Évangile Christocentré. Mais sincèrement, mes amis, la Bible dit tu méditeras pour le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. C'est facile de prêcher, difficile. De mettre en pratique. C'est ça. Et c'est surtout nous, les hommes de Dieu. Nous sommes forts à, à, à juger les brebis, à cogner, marteler la tête des brebis. Mais nous-mêmes, nous ne sommes en rien des modèles de tolérance, des modèles d'amour, des modèles de charité. L'amour de Christ-là, la plupart des hommes de Dieu ne l'ont pas. Beaucoup d'hommes de Dieu qui combattent certains hommes de Dieu le font par jalousie. Parce qu'ils sentent qu'ils sont menacés. Ils sentent que leurs ministères sont menacés. Ils sentent que leurs églises vont se vider. Parce qu'ils sentent que l'onction de l'autre est plus forte. Mes amis, tu ne peux pas rendre quelqu'un d'autre coupable de ta faiblesse ministérielle. Et je vais enseigner ça ce dimanche. Cette h 30 Je vais parler dimension d'onction. Que j'ai compris. Les quatre dimensions de l'onction. C'est quoi l'onction Les quatre dimensions de l'onction. C'est pas jalousie que parfois, et pas frustration aussi, j'ai dit que tout homme de Dieu qui, dans son pupitre, se lève dans une église, vous pressez contre un autre homme de Dieu. C'est un, un possédé. C'est un jaloux. Il partage sa frustration. Tant que tu ne peux pas prendre quelqu'un, tu nous montres la vidéo. Que voici la vidéo. J'ai filmé l'homme de Dieu au cimetière. Ou attendez, je connais. Quand il va au cimetière. Et le jour-là, tu vas avec les gens. Tu les amènes dans le cimetière. Vous vous cachez. Tu leur dis, vous avez vu. La Bible dit, tu, tu n'accepteras point d'accusation. Contre un ancien qui est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Pas les faux témoins pleins de méchanceté qu'on a dans ces générations. Pas de faux témoins comme ça. J Lorsque j'ai perdu feu mon, mon épouse, mais les gens n'ont pas dit quoi? Que je l'ai tué dans la sorcellerie. Regardez comment les gens sont méchants, mes amis. Là, tu perds une personne qui t'est chère, au lieu qu'on te donne condoléances, mais il y a des gens qui, qui t'insultent. D'autres même l'ont insulté, elles-mêmes qui étaient qui était morte, des de, de, de dix, soit enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu. Insulter la mémoire d'une personne qui est morte. Voilà où l'Église est arrivée. Dit que non, je l'ai tué dans la, la sorcellerie et que je l'ai vendu. Elle est morte subitement. Et le monsieur de, de Jésus-Christ TV, euh, enama, c'est Georges Enama. Si vous suivez, pour ceux qui sont égarés, qui n'ont aucune fondation spirituelle, ils sont égarés. Pas de vidéo de cet homme qui est possédé, qui a besoin de livrance en réalité. C'est un vrai possédé. Il est possédé. Je dis ça, je suis sérieux. Je ne parle pas souvent des hommes de Dieu comme ça. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu là-bas. Il fait un direct. Il explique clairement dans le direct. Quand on insulte quelqu'un, calomnie quelqu'un, dit du mal de quelqu'un, va au moins chercher à connaître qui est la personne avant de, 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 de te laisser induire en erreur. La Bible dit, tu ne t'associeras point à la multitude pour pécher contre l'éternel ton Dieu. Ça dit que c'est, il y a, il y a, un adage latin qui dit vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est démoniaque. La Bible dit que tu ne vas pas t'associer au peuple pour pécher contre l'éternel ton Dieu. Donc ça dit que la voix du peuple n'est pas toujours la voix de la vérité. Il a dit dans son direct, il explique aux gens, et des gens aussi naïfs vont croire en ça, sans réfléchir que Jésus en connaît cet homme. Il dit dans l'un de ses directs que je suis allé au nord. Avec mon épouse, on allait pour la campagne là-bas. Elle est morte là-bas. Subitement, je l'ai vendue dans la sorcellerie. Et donc, sa dépouille est revenue. Mes amis, quand quelqu'un dit qu'il parle de Dieu, par Dieu, par l'esprit de Dieu, il manque comme ça en direct. Il manque des mensonges bêtes. Si c'est au moins un mensonge qui est quand même solide, sophistiqué, on peut comprendre. Mais des mensonges bêtes. C'est-à-dire qu'il dit que j'ai voyagé pour la campagne, ma tournée du Nord. Nordique, c'est là que fait mon épouse est morte et donc je ramène la dépouille. Oh, elle n'est pas morte, elle, elle n'avait pas voyagé avec moi. Quand je partais, elle ne parlait même plus. Elle était dans un état difficile. Mais j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je me sacrifie dans l'œuvre. Je vais monter précis ta parole partout, guéri là. Et je suis parti. Et c'est à qu'on annonce qu'elle a quitté ce monde. Et il dit qu'elle est morte subitement. Qu'elle est morte subitement. Et les gens croient aussi bêtement. Pourtant, elle a lutté avec un cancer du sein pendant sept ans. Vous ne pouvez pas venir en public, dire aux gens, même à l'église, personne n'a jamais imaginé qu'elle était malade. Jusqu'au dernier instant, seuls ceux qui étaient attentifs remarquaient qu'elle fondait. Ceux qui la connaissaient. Je voyais quelques commentaires. Même. Dans ces derniers instants, je lui disais, ne fais plus le direct, repose-toi. Mais quand je voyais, je vais en mission là, je vois, elle est connectée en direct, elle est en train faire le direct, par passion pour l'œuvre de Dieu. Ouais. Donc, personne ne savait qu'on a lutté pendant sept ans. Et ceux qui sont à l'église ont remarqué que pendant moi, les trois dernières années de sa vie, elle n'était presque jamais à l'église, elle était toujours à l'étranger, parce qu'elle suivait son traitement. Ouais. Donc, bien aimé, quelqu'un vient dire que. Eh, eh, que, 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 que mon épouse est morte au oh nord. Et qu'elle est morte subitement. C'est un mensonge éhonté. Quelqu'un ment comme ça sans, sans, sans honte, sans craindre Dieu. Et en plus, il y a une histoire, une fausse affaire qui est née là avec une dame qui dit que, que mon épouse lui a fait le message. Et, que, et la dame qui a fait le message la dame là, si c'est vrai, parce que la dame là elle même été arrêtée. Elle a été arrêtée pour faux usage de faux elle a été arrêtée à mener en prison, je pense. La dame, c'était qui? On l'appelait le gouverneur, c'est qui là? Et dans l'histoire, l'histoire, elle raconte que que mon épouse, lui, a écrit un, un message. Le monsieur de Jésus, que tu vis là. Lui aussi, il reprend ça et il dit que voici le message que la défense épouse du prophète Carl Ferdinand a écrit à tel, à un marabout, à une sorcière comme ça, comme ça, comme ça. Et la dame dit là-bas qu'elle a six doigts. Six doigts à la main. Et six doigts au pied. Et qu'ils sont basés à doigts là. Enfin, mon époux n'avait pas six doigts. C'était simple à vérifier. Il y a ces vidéos, vous regardez si elle avait six doigts. Au pied ou bien à la main. Elle n'avait pas six doigts, en fait. Et nous, on n'est pas basé à Doualona, à Yaoundé. Et la dame disait dans son message clairement qu'ils ont une école. Ils ont une école, nous, on n'a pas d'école. Donc, je, je veux dire quoi Quand Satan veut séduire les gens qui ne sont pas. qui a dit que qui n'ont pas de prédisposition à aimer Dieu et à chercher la vérité, ils vont en enfer bêtement. Tu toujours en enfer pour une histoire comme ça. Donc, c'est ces choses-là qui sont en train de fragiliser l'Église aujourd'hui. Il y a des personnes, on met sur ta tête là une affaire que tu ne connais pas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont innocents, là on leur met de loups fardeaux sur la tête. Mais la Bible dit, Jésus dit ceci, je vous le dis en toute vérité. Au jour du jugement, chacun rendra compte de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche. Mes amis, qui que nous soyons, le ministère commence sur la terre. Mais nous tous, nous savons, il va finir devant le tribunal de Dieu. Chacun ira dire à Dieu. Chacun ira dire à Dieu. Rendre compte de la manière dont il a géré sa maison, la, la manière dont il a parlé sur les autres. Chacun rendra compte. Un jour, un jour. Voilà, monsieur, c'est Ivana, chef d'État. Elle a été arrêtée. Avec les arnaques et tout ça. Donc, bien aimé, moi, je pense que. L'église devrait avoir honte. Les hommes de Dieu doivent avoir honte. Quand tu prends le nom de ton frère, toi-même, au fond de ton cœur, tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que tu n'as jamais vu ça. Tu pars dans ton pupitre, tu annonces des choses. À l'époque, je me souviens que quand je m'étais marié, on a fait peut-être deux ans ou trois ans de mariage sans enfant. Il y a des hommes de Dieu qui sont allés dans leurs églises, dans leurs pupitres. Je ne sais pas comment raconter. Dans leur pupitre, dit à leurs fidèles que Dieu leur a révélé que je n'aurai jamais d'enfant parce qu'on a vendu les entrailles de feu mon épouse pour avoir lancé les richesses. Que Dieu leur a dit que jamais, 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 jamais je n'aurai d'enfant. Et donc, à leur grande surprise, on a eu un enfant. Et j'étais plus embarrassé encore à leur place qu'eux-mêmes. Je me demandais, Seigneur, ils vont aller faire comment dimanche-là, quand ils ont appris la nouvelle, ils vont faire comment, ils vont aller dire quoi dans leurs églises. Et là, immédiatement, c'est leurs brebis qui vont se remettre leur Dieu en cause. Remettre leur Dieu en cause. Mais il avait dit que son Dieu avait dit, pourquoi donc ceci ou cela Mes amis, pourquoi on fait ça Pourquoi Celui qui a Christ en lui ne peut pas calomnier son frère. Il ne peut pas. Il n'y a pas de jalousie en Jésus. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. Chaque homme de Dieu reçoit de Dieu un don particulier. Si tu es jaloux du don de l'autre, ce n'est pas Jésus que tu sers, mon ami. Ce n'est pas Jésus. Donc je voudrais dire à la nation gabonaise que, à l'église du Gabon. Mais bien-aimés, pas seulement l'église du Gabon, hein, l'église d'Afrique en général, nous tous. C'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. Dans la Bible, les divisions régnaient déjà. Mais craignons de combattre des saints craignons de combattre les saints. Gamaliel a dit aux pharisiens, aux souverains sacrificateurs, ne craignez-vous pas qu'en combattant ces hommes, que ce soit Dieu que vous soyez en train de combattre, et bien je pose la même question. Ne crains-tu pas qu'en combattant, persécutant tel homme de Dieu, les choses qu'il fait là, ce sont les opérations de l'esprit qu'il est en train d'appliquer. quaurions nous dit, du prophète Esaïe. L'une des lois farouches en Israël, c'était sur la nudité. Deux seuls ne se lapent ensemble, deux frères ne se lapent ensemble. L'enfant ne découpe pas la nudité de ses parents. Tu ne découvriras pas nudité de telle, nudité de telle, nudité de telle, nudité de telle. Mais Esaïe sort par la parole de l'Éternel. Dieu lui dit Sors nu, mets ton sac en bandoulière, fais un trou sur la muraille de Jérusalem. Passe par ce trou. Quand les anciens viendront te voir et qu'ils te demanderont que tu es en train de faire, dis-le ainsi, par l'éternel. C'est comme ça que vous irez en captivité. Non, mais sincèrement, mes amis, si vous avez une révélation comme celle-là, le Dieu, il dit, hé, Hébreu 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire quoi? Quand j'entends des hommes de Dieu dire que non, vous êtes basé sur l'Ancien Testament, c'est le choix de l'Ancien Testament, non, laissez l'Ancien Testament, Parlez du Nouveau Testament, c'est quoi le Nouveau Testament C'est des illettrés, des illettrés, des analphabètes spirituels, des, des, pro, des, des vrais, des vrais analphabètes spirituels. Quel homme de Dieu peut se lever et dire ah, non, non, on prêche le Nouveau Testament, on ne prêche pas l'Ancien Testament, l'Ancien Testament est passé. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, je pleure pour eux, je pleure, je pleure pourquoi Parce qu'ils transmettent leur ignorance à leur peuple. C'est quoi le Nouveau Testament Le Nouveau Testament n'existait pas au temps de Jésus. Le Nouveau Testament, c'est quoi C'est l'Ancien Testament expliqué. Le Nouveau Testament, ce n'était pas une autre Bible en dehors de la Torah de l'Ancien Testament. Non. Jésus, tous ses enseignements, c'était l'Ancien Testament-là. Les apôtres, tous leurs enseignements, tous les passages bibliques qu'ils ont utilisés, de A à Z, de, du début de leur ministère à la mort de leur ministère, c'est l'Ancien Testament-là. Donc le Nouveau Testament, c'est les enseignements de l'Ancien Testament, c'est l'explication de l'Ancien Testament. Donc si vous pensez dans vos têtes que le Nouveau Testament, c'était une Bible à part, et l'Ancien Testament, une autre Bible, vous vous trompez. Tous ont enseigné l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Parce qu'il est l'accomplissement de la loi et non l'abolissement de la loi. Pardon, Daddy, lavez dehors, ne vous fâchez pas. Non, moi je ne suis pas dehors, ma fille, je suis dedans, je suis à l'intérieur. Ne vous en faites pas. Donc, bien aimé, vous voyez. Donc, ça fait mal. Il faut faire attention. Servons Dieu. Si ton intérêt, servir Dieu, ce n'est pas un problème, mais la motivation, ta motivation, c'est quoi dans ton cœur Si tu ne peux pas voir ton frère réussir, tu ne peux pas accepter que quelqu'un qui est venu après toi devient plus grand que toi. Tu n'es pas serviteur de Jésus-Christ. La caractéristique primordiale d'un vrai serviteur de Jésus-Christ, c'est l'humilité. C'est l'acceptation que Dieu peut prendre sur quelqu'un d'autre pour faire ce que je fais ou faire plus que ce que je fais et j'acclame. J'acclame. Tant que vous ne pouvez pas faire ça, vous n'êtes pas de Dieu. C'est vous qui n'êtes pas de Dieu. Ce n'est pas les autres, c'est vous qui n'êtes pas de Dieu. Vous qui combattez les serviteurs de Dieu, vous ne craignez pas Je finis avec ceci. La Bible dit qu'un jour, les apôtres sont sortis et ils prêchaient. Ils ont trouvé un monsieur qui avait son église et ils prêchaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont appeler le monsieur, ils vont lui dire Mais toi, où est ton autorisation d'église Il va dire Je n'ai pas d'autorisation. Est-ce que tu as dû rencontrer Jésus un jour Le monsieur dit non. Est-ce que tu as dû causer avec lui un jour Non. Est-ce qu'il t'a appelé la nuit nous appelait là, est-ce qu'il t'a appelé Il y a des hommes de Dieu qui pensent qu'ils sont dépositaires de la vérité et de la science divine. C'est-à-dire qu'en dehors d'eux, en dehors d'eux, il n'y a pas un vrai homme de Dieu. Vous vous trompez, mes amis. Vous êtes même bêtes. Vous êtes bêtes, vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés. Vous êtes des népios. C'est ce que la Bible appelle des népios. Des enfants dont le cerveau n'est pas encore formé. C'est ça la réalité. C'est la réalité, je suis désolé de vous le dire. Un homme de Dieu m'a tué pour combattre une autre grâce. Les grâces ne se combattent pas entre elles, elles se complètent. Elles se complètent. Elles se complètent. Ils disent au monsieur, quand on nous appelait là, toi tu es appelé, monsieur il dit non. Et Ils ont fermé l'église, ils ont dispersé les gens. Et ils ont chassé les gens et les gens ont obéi parce qu'on les voyait avec Jésus. Abus de pouvoir. Mais quand ils rentrent, ils disent à Jésus, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit non. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et celui qui ne disperse pas amasse. Il dit, il fallait le laisser. Pourquoi j'ai fermé son église? Il fallait le laisser. S'il si prêchait à mon nom, il fallait le laisser. Parce que j'ai encore d'autres bergers, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça veut dire quoi, mes amis J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais il faut réfléchir, mes amis. Qu'est-ce que Jésus? Jésus dit aux, aux apôtres Vous ne détenez pas le monopole du royaume. Vous ne détenez pas l'exclusivité. Ce n'est pas parce que c'est moi qui vous ai choisi directement que je n'ai pas appelé d'autres aussi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne se laissait pas faire. Il revendiquait même d'avoir travaillé plus que ce que Jésus avait choisi lui-même, car il était là physiquement, et c'est la vérité en plus. Donc Jésus leur dit, si vous pensez que vous êtes les seuls, vous passez, je vous appelé là, après avoir passé la nuit sur le mont oh, oh, des oliviers, vous êtes les seuls que j'utilise pour vous tromper. Il disait encore d'autres brebis qui sont dans d'autres bergeries. Or, si on parle de brebis, dans d'autres bergeries, c'est qu'il y a d'autres bergers. Dans ces bergeries, il y a des bergers qui gardent ces brebis dans ces bergeries. ce que j'appelle les bergeries inconnues. Mais ces personnes ne font pas comme vous. Ces personnes-là n'ont pas les mêmes opérations d'esprit comme vous. Mais tous sont mes serviteurs. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas comme moi, comme dans mon église, qui n'est pas de Dieu. Donc cet esprit conservateur vous fait tomber dans le fanatisme chrétien et vous risquez de combattre Dieu. Et Jésus l'a dit. Il dit le temps arrive, il est déjà arrivé. Il est déjà venu. Le temps vient, il est déjà venu. Où les hommes vous feront mourir, pensant rendre un culte agréable à Dieu. Donc, il y a des gens qui, sincèrement, vont persécuter de vrais serviteurs de Dieu, les mener à la boucherie, comme Jésus lui-même a été mené à la boucherie, pensant rendre un culte agréable à Dieu, défendre Dieu. Pourtant, ils sont en train de pécher contre Dieu. Et c'est dans ce péché que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui n'aiment pas que quelqu'un les dépasse. Ils veulent avoir l'exclusivité. Ils veulent qu'on parle seulement d'eux. Ce n'est que eux, ce n'est que eux, ce n'est que, que eux. Dès que quelqu'un veut monter là, ils font tout pour bloquer. Quand ça ne va pas, ils entrent dans la diffamation gratuite et méchante. Et ça, c'est un problème réel. réel. C'est un réel problème, mes amis. Quels sont ces hommes de Dieu qui combattent? Qui laissent combattre Satan Ils combattent les hommes de Dieu. En sorte que Satan est au chômage. Satan lui-même se plaint. Le gars, dit, mais les démons sont fâchés. Il y a même une, une, une mutinerie dans le règne des démons. Les démons se fâchent même contre ces pasteurs. Que, quels sont ces pasteurs qui nous envoient au chômage comme ça. À, et il y a des démons qui souffrent des retraites anticipées. Un jeune démon, il a dit, on envoie en retraite parce que les hommes de Dieu ont occupé la place des démons, remplissent le ministère des démons dans l'Église. Ils détruisent les hommes de Dieu, ils égorgent les hommes de Dieu. Non mes amis, faisons attention. Faisons attention. Personne ne peut défendre. Aucun homme. Aucun homme ne peut juger notre homme, de vrai ou de faux. Personne. Ça vient de Dieu. Parce que tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le seul qui peut juger est le seul qui sonde les cœurs et les reins. Les apparences sont trompeuses. Tu peux voir une apparence là. Tu condamnes une personne pourtant. Elle porte la justice de Dieu. Elle a une alliance avec Dieu que toi-même, qui es pharisien, tu n'as pas. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, mes amis. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il dit dans 2 Timothée 2 verset 19, il dit néanmoins le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. C'est ça la réalité. Donc bien aimé, je voudrais tout simplement dire à l'église du Gabon, le Seigneur permettra que j'arrive chez vous. Demeurons en prière. Nous prions pour vos hommes de Dieu. Nous aimons vos hommes de Dieu. Nous prions pour l'unité du corps de Christ. Gabon, mais s'il vous plaît, ne tuez pas vos prophètes. Mes mains sont pures. Et jamais mes mains ne s'allieront à personne pour saboter un homme de Dieu. Parce que Dieu ne m'a pas appelé pour juger ses serviteurs. Et je finis avec cette vision. Pour vous expliquer pourquoi je respectais les hommes de Dieu. Euh, quand le Seigneur m'appelait, j'ai eu une vision, une nuit. Dans cette vision, il y a un homme de Dieu qui tenait, un jeune homme de Dieu qui tenait son église. Il tenait son église. Et l'église était extraordinaire. C'était un jeune homme qui avait euh, un grand talent spirituel et ministériel, un grand docteur de la parole. Et son église était plein à craquer. Les gens allaient là-bas, dans son église, pour l'écouter, prêcher. Il, était, il avait le vent en poupe, comme on dit souvent. Et donc, à un certain moment de sa vie, il s'est détourné de Dieu. Il a abandonné Dieu et il est devenu efféminé. C'est-à-dire que sa tête-là, il a commencé à tresser les rastas. Il a tressé les rastas et il avait les boucles d'oreilles. Et donc à cause de cela, parce qu'il s'était détourné de l'éternel son Dieu, l'esprit de Dieu lui a été retiré. Et dans la vision, il n'avait plus l'autorité spirituelle qu'il avait. La puissance qu'il avait, il n'avait plus. Cette tension-là, il n'avait plus. Et donc, et moi j'observais, j'étais assis dans la foule, je voyais ce qui se passait. Son église a commencé à se moquer de lui. Son église a commencé à l'insulter, il prêchait, il prêchait, et l'église a commencé à le chahuter, sa propre assemblée. Et les bien-aimés, ses fidèles lui disaient, quand tu avais Dieu, quand tu parlais, tu disais quelque chose. Tu étais inspiré. Quand tu parlais, tu étais percutant. Mais maintenant, tu as abandonné Dieu. Regarde, tu as habillé comme une femme. Tu as abandonné comme une femme. Qui vêtu, vê revêtu comme une femme, avec les boucles d'oreilles, Dieu t'a quitté. Et il riait de lui, il ricanait sur lui. Il se riait de lui, se moquait de lui. Et là, l'Éternel son Dieu l'a frappé d'une maladie des entrailles. Et l'homme de Dieu est tombé devant le pupitre. Et j'étais là dans la salle. Il est tombé. Et il pleurait le ventre. Le ventre. Son église, au lieu de venir à son secours, s'est mise à se moquer de lui. En disant Ah voilà. Dieu l'a frappé, ça confirme tout ce qu'on a dit sur lui. Il a abandonné les voies droites du Seigneur. Il est retourné dans le monde. Il n'a même plus une vie de sanctification et de sainteté. Et tout ce qu'on disait de lui était vrai. Tout ce qu'on disait était vrai. Et donc, dans la vision, la parole de l'Éternel m'a adressé à ce thème. Ferdinand, Garita wa inna borazias manotei, filola wa elvotei dali dei wa inna skratos » Mais nous radions Farou da wa Annas Mali Filis, no Kelata wa Anna Barita, Doloza wa Innas Mani Alfeya, Notaudali Alfeya da wa Innas Mali Kaloza, Burmani wa Innas Raf inau Arki. Père mon âme, tout le te bénit parce que tu es souverain. Ton solif fondement demeurera, et tu délivreras tes vrais serviteurs de la main du méchant. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. Bien-aimé, dans la vision. J'ai la chair de poule comme je parle de cette vision. Dans la vision, la parole de l'Éternel c'était un Ferdinand. Va et prie pour lui. Et je vais aller donc, dans la vision, j'ai l'orgueil. Je sens que j'ai l'orgueil dans la vision. Je suis orgueilleux. Je sens que je suis supérieur à lui parce que moi je me sanctifie. Et Dieu me parle, j'ai une bonne relation avec Dieu. Et l'homme de Dieu en train de pleurer, il en train de se morfondre au sol, de se prélasser, s'entrelacer là-bas, se tortiller au sol. Et j'arrive, je prends ma main, je mets sur sa tête. Je lui impose les mains. Quand je lui impose la main, immédiatement la parole de Dieu retentit comme un tonnerre. Insensé, où as-tu pris l'autorité d'imposer la main à mon serviteur Mais dans la vision, j'étais hurluberlué, j'étais luluberlué, j'étais perdu. Mais je me suis demandé, attends, celui-ci abandonné Dieu, Dieu l'a abandonné. Il a rétrogradé. Il n'est plus avec Dieu. Il est retourné dans une vie mondaine. Sa vie est sale. Tout le monde le sait, même son église le sait. Comment Dieu peut-il l'appeler encore son serviteur Il y avait jalousie. Et Dieu me dit dans la vision, insensé, où as-tu pris l'autorité, l'autorisation, d'imposer la main à mon serviteur Le Seigneur m'a dit, mets ta main sur son épaule. J'ai mis la main sur l'épaule de l'homme de Dieu. Il m'a dit, prie. J'ai ordonné. Et l'homme de Dieu a été guéri immédiatement. Le Seigneur l'a restauré et il s'est relevé. La Bible dit que cette fois le juste tombe. Et cette fois, Dieu le relèvera toujours. Pourquoi ce n'est pas l'alliance que Dieu avait ses serviteurs? Depuis ce jour, depuis ce jour, si je suis n'importe où, dès que quelqu'un dit que je suis pasteur, je m'arrête. Dès que j'entends quelqu'un, homme de Dieu, je m'arrête. Donc bien aimé, je pense que nous devrions faire attention. Servons Dieu dans l'humilité. Ça ne veut pas dire que si un homme de Dieu fait ce qui est mauvais, on ne doit pas le lui dire. Il faut le lui dire. Tu vois que ton frère a péché. Matthieu 18, 15 le dit. Si ton frère a péché, va avec ton frère. Parle-lui seul à seul. Parle-lui seul à seul. Ne viens pas sur Internet. Ou ne va pas sur ton pupitre. Calomnie ton frère. Vilipendez. Ton frère. Parce que la première question que Dieu te posera, est-ce que tu es allais parler à ton frère C'est ça d'abord. Un vrai chrétien, un chrétien qui respecte la Bible, un vrai homme de Dieu, un homme de Dieu qui respecte la déontologie, la théologie biblique, doit respecter ces recommandations. Tout chrétien doit respecter. C'est Jésus qui nous a dit cela. Ils a montré le processus. Si ton frère a péché, va vers ton frère. Dis-lui, mon frère, tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Tu as fait ceci, fais ceci. Dis, si ton frère t'écoute, il dit Tu auras gagné ton frère, il y aura la joie au ciel. Mais s'il si ne t'écoute pas, va prendre deux témoins matures. Partage ce que tu as vu. Avec deux personnes matures, pas avec le monde entier, pas avec Facebook. Deux personnes matures. Ça, c'est la Bible. Je viens maintenant en secret. Ne parlez pas ça aux gens. Parlez aux frères. Si tu vas à seul à seul, tu parles, au frère, il t'écoute, tu fermes la bouche, tu ne partages plus sa nudité avec quelqu'un. Si tu prends deux témoins, vous retournez, le frère vous écoute, vous couvrez sa nudité, vous priez avec lui, vous le relevez, vous avez gagné quelqu'un. La Bible dit, Jésus dit que si le frère ne vous écoute pas avec les témoins, maintenant allez à l'église, va voir l'homme de Dieu maintenant. Ça devient une histoire de l'église. L'homme de Dieu va vers le frère. Si le frère refuse de se répentir, en ce temps-là, considère-le comme un païen. Voilà la méthodologie pour amener quelqu'un. Ce n'est pas sur Facebook comme on voit aujourd'hui. Les hommes de Dieu viennent s'insulter. Tel vient parler de tel, tel vient parler de tel. Sans avoir au préalable appelé son frère, chercher à rencontrer son frère pour parler à son frère. Donc, moi, je pense que nous avons beaucoup fait mal à l'église. Moi-même qui parle, je pense juste dedans. Il demande pardon à Dieu vraiment. Pour tout homme de Dieu que j'ai affligé, pour tout homme de Dieu que, que j'ai blessé. Si un jour j'ai dit quelque chose euh, qui n'était pas juste ou droit envers un frère, une soeur, un homme de Dieu, demande pardon en public devant Dieu, devant son église vraiment. Et que Dieu me préserve d'être méchant au point de chercher sciemment et consciemment à nuire à un bien-aimé. Donc je vais dire à tout homme de Dieu, vraiment, si bien-aimé est juste offensé, te demande pardon. Je demande vraiment pardon, bien-aimé, pardon, pardon. Parce qu'on ira, non, en enfant, faut va rater le ciel pour des choses petites. Pas pour l'adultère, pas pour la sorcellerie, pas pour la magie, tout ça, non, non. C'est des petites choses. Ce sont des petites choses. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Je vous souhaite une belle et agréable nuit. Et voilà. Euh, Suite de à on sera au Gabon. Dieu nous permettra d'entrer là-bas. Et euh, comprenons, bien-aimé, je ne suis pas là pour les divisions. Je ne suis pas là pour prendre les côtés des gens ou les partis. Je prends le parti de Jésus-Christ. Je ne parle pas le parti de, du prophète Emmanuel Zoma ou bien de ses ennemis. Je prends le parti de Jésus-Christ. Je veux mettre en application la Bible, la parole de Dieu. Je vais vous apporter la preuve. Quand si on a attrapé le prophète Zoma en train de manger un bébé, où on l'a attrapé, je ne sais, sais pas ce qu'on va même dire, vraiment. On l'a attrapé en train de... de fait ceci, main dans la poche, vous l'amenez vous avec le sacrifice qu'il faisait là. Là, on dira que, ah, dans l'homme, il était comme ça. Mais quand il n'y a pas ça, faites attention. Ne porte pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est dangereux. Donc, ce matin, 7h30, soyez nombreux à être abonnés. Que Dieu bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis à toute la ville de Yaoundé, ses environs, ne manque pas à la Bible. Je vais te dire, le diable fera tout pour que tu ne sois pas là ce matin. Je te dis la vérité pas la fatigue, les distractions, non ne parle pas non, as pas, ne tu pas l'argent, économise ton argent. Si tu entends une voix comme ça, sache que c'est l'ennemi de ta vie qui est en train de parler contre toi. Donc que Dieu te bénisse. Je le dis encore par l'Éternel. C'est le premier dimanche d'avril, le dimanche de l'onction suprême, des opportunités. Mets un vêtement de fête parce que nous allons louer Dieu ce dimanche. On va faire la fête, on va célébrer Dieu. Et les habitants de Tchang, je serai à Tchang La semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi. La semaine prochaine. Ben, nous sommes, ce dimanche c'est le 2. Dimanche euh, prochain, ce sera le 9. Donc le 10, le 11, le 12, le 13. Je serai à Tian, à la maison du parti du RDPC. Voilà, je serai là-bas par la grâce du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dormons en paix et je prie que Dieu nous donne des visions fortes. C'est une de grandes révélations. Et voulons voir la gloire de Dieu. On veut voir les anges. Seigneur, merci parce que tu nous bénis, tu nous exhortes. Tu nous exauces au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. On a prié. Amen. Bye, shalom.